Bonjour les amis! Donc aujourd'hui, on va faire une activité de peinture, mais ça sera peinture avec de l'acrylique. Donc on va faire différents dessins, mais vous êtes libre de faire le dessin que vous voulez et être créatif à la maison. Donc vous avez besoin d'une toile comme ceci, de la peinture, des pinceaux, une assiette ou n'importe quoi pour mettre de la peinture dessus. Et aussi, moi, j'ai pris un crayon et une gomme à effacer pour pouvoir dessiner et effacer si je fais une erreur. Donc, je suis accompagnée de Wania. Et on va commencer par ouvrir. Voilà, voilà. Une jolie toile comme ça. Comme ça, toute propre, toute blanche. Et vous pouvez, les amis, vous pouvez demander l'aide de vos parents ou sinon le faire vous-même. Moi, je vais aider Wania pour dessiner une jolie branche car on va faire un arbre. D'accord? Une bouteille en plastique avec ce genre de design, ce genre de motif ou quelque chose d'autre que vous voulez. Donc, comme on a déjà dessiné ici une branche, comme vous voyez ici. Donc, soyez créatifs, dessinez un arbre comme vous voulez. À l'aide d'un crayon et vous pouvez effacer si vous n'aimez pas. Et on va commencer avec la couleur brun ou noir pour dessiner la branche. Tu veux quelle couleur pour la branche? La marron. Tu veux le marron? Elle veut le marron. Et avec la couleur marron ou sinon n'importe quelle couleur, vous allez venir comme ceci et faire a peint l'intérieur de l'arbre. Moi, je vais commencer à choisir les couleurs pour mettre ici et ce sera les couleurs des feuilles. Donc, tu peux utiliser d'autres objets pour pouvoir faire n'importe quoi d'autre. Quelle couleur tu veux pour tes feuilles, Wania? Oh, pour lesquelles, peu importe. Du 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 couleurs. Ah, 5? 5 couleurs. Du. C'est non, bon, notre. Oui, celui-là. Avec le jaune. Oui. Avec le jaune. Le vert. Le vert. Le rouge.
l'orange. Ça, c'est assez. C'est 5? Oui. C'est pour ça que j'ai ajouté les couleurs de la carte. Comme les deux se ressemblent beaucoup, on va un peu mélanger pour créer d'autres couleurs. Pendant que Mania peint sur l'intérieur de l'arbre, je vais m'amuser à créer d'autres couleurs. Toi aussi à la maison, tu peux t'amuser à créer d'autres couleurs. Oh, je reconnais, je pourrais t'aider. Oui, oui. Donc, ici. Faut pas prendre beaucoup trop de couleurs, Mania, okay. Sinon... Sinon, ça va être trop. Ouais, il faut prendre un peu de couleurs, sinon ça va pas bien sécher. Ok. Ok. Hop. Merci. Waouh, tu fais un bon boulot. Du orange et du jaune pour avoir du orange clair. Sinon, tu peux aussi faire avec du blanc si tu veux. On va aller peinturer les bouts comme ça, comme ceci. Tu veux essayer? Oui. Attention, doucement, tu ne peux pas faire de dégâts. Tu prends un peu. Non, tu prends beaucoup. C'est cool. Oui. Quelle est la prochaine couleur que tu veux, Mania? Oh, mais ça serait bien. Du violet avec du bleu. Ok, je voudrais du jaune. Du jaune. Alors, on va prendre du jaune avec un autre pinceau. Tiens-moi la bouteille. Donc voilà. Tu peux tenir la tienne, vas-y. Tu vas mettre ici. Alors, on met du jaune sur l'autre bout, juste le bout, par là-bas, si vous avez de l'eau à côté de vous, vous pouvez tremper les pinceaux et utiliser une autre couleur. Ça va pour l'instant, car on a plus beaucoup de pinceaux. Ensuite de ça, quelle est cette couleur, tu veux rien? Du bleu. On va prendre du bleu. Hop, du bleu comme ça. Ici, vas-y. En ce moment, on a du bleu, du jaune et du orange. Mais à la maison, vous pouvez faire n'importe quelle couleur que vous voulez. Maintenant, tu veux quoi? Je veux du vert. Ah, vas-y. Waouh, c'est des jolies couleurs. Oui, je vais rajouter de l'eau à la place. Tu veux rajouter du monde? Oui, il est là. Attends, on va rajouter plus de vert ici, comme ceci. Et du monde. Tu veux... Tiens, tu peux tenir la bouteille, comme ça. Bravo, tu peux montrer aux amis. Une belle couleur. Je reste plus que le monde. Voilà, hop, le monde ici. Vas-y, hop, on va prendre plus. Voilà, bravo. L'autre côté du pinceau, comme ça, bravo. Voilà, comme ça, juste comme ça, c'est assez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que venir sur une branche
ici, n'importe laquelle. Je vais prendre celui-là. Et on va presser la bouteille comme ceci. Hop! Et on enlève. Ça fait des feuilles. Et vous pouvez encore refaire comme ceci. Plusieurs fois comme vous voulez. Et ça fait plusieurs feuilles. Après là, vous laissez la bouteille de côté. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir prendre un pinceau de chaque couleur. Vous allez hop, jouer avec les couleurs pour faire des feuilles. Wania va essayer. Prends n'importe quelle couleur que tu veux, Wania. Ça, c'est lequel? Du bleu. Et tu vas venir tapoter. Bravo! Fais comme des cercles pour faire des feuilles. Oui! Comme des nuages, comme ça. Tu peux prendre une autre couleur. Tu peux tremper comme tu veux. Tu peux encore tremper dans la peinture. Parce qu'on voit plus du marbre. Oui. Voilà. Tu veux remplir tout l'espace. Bravo. Parce qu'on est assez comme ça. Ah, attention. Oui. Tu vas mélanger avec du bleu. Tu es en train de produire du vert parce que le jaune et le bleu font du vert. Là, tu vas prendre le bleu, Wania. Après l'orange. Oui. Voilà. Comme tu veux. Voilà, comme ça. Et du orange. Maintenant, vas-y, prends du orange. Donc, en ce moment, on a des feuilles multicolores. Bravo, les amis. Et on va refaire la même chose sur cette branche, cette branche, cette branche et cette branche. Vous êtes prêts? On y va. Là, pour l'autre branche, tu peux venir déposer la bouteille et tourner et faire d'autres motifs différents. C'est joli. Alors, on continue. Vas-y, Wania. Tu peux colorier comme tu veux. Soyez créatifs, les amis. Voilà, on est allé déposer les deux bouteilles ici. On va commencer par ici. On va commencer par là. Moi, je vais l'aider. Voilà, vous dessinez comme vous voulez. Donc là, on fait des feuilles qui tombent de l'arbre. Donc ici, on a les feuilles qui tombent par terre, comme ça. Donc il faut juste faire des petits points avec les couleurs que vous voulez. Voilà, on a terminé notre premier dessin, notre première peinture. On a terminé notre première peinture et on a fait des petits points ici. Pour montrer les feuilles, tu peux utiliser n'importe quelle couleur tu veux et être original. Bravo! Allez les amis, j'espère que vous avez aimé peindre votre arbre. Comme je vous l'ai montré, le mien ressemble à ça. Oh. J'espère que vous avez aimé le vôtre et vous avez été original avec plein de couleurs et que vous allez aimer votre arbre. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'accrocher où vous voulez, dans votre chambre, au salon,
le donner en cadeau à vos parents, comme vous voulez les amis. À la prochaine, j'espère que vous avez aimé cette activité et il y aura une autre peinture qu'on va faire dans une autre vidéo. Bye!